C'est parti pour la balade de mardi. Hey guys, on va vous faire un petit vlog. On est en train d'aller faire les courses. Il est quelle heure même là? Je pense qu'il est 10h. Donc on va essayer de filmer depuis la voiture pour voir un peu comment la ville est avec tout ce qui se passe. Ok, donc je suis là avec Warren. Warren le stratège. Et mon baby boy. Donc, comme vous pouvez le voir, déjà, salut et bienvenue sur la chaîne. Si on en parlait. Alors, aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, la ville est déserte. Hein, par rapport à tout ce qui se passe actuellement. Dans tout ce qu'il y a aux États-Unis actuellement comme difficulté. Donc, c'est un peu cela. Papa et bébé. Mais bon, le truc, c'est qu'on essaye... Bon, tant bien que mal de... Voilà. Ok, on va s'arrêter un peu ici. Voilà, on va juste s'arrêter. Vite fait, vite fait, vite fait, à la banque, là. Bon, bien évidemment, on ne pourra pas vous montrer ce qu'on va faire à la banque. Hein. Non, donc, restez là, on va filmer dès qu'on sort. Bienvenue sur notre nouvelle chaîne de famille. De business, de finances qui s'appelle et si on en parlait, on va en parler, ok? On va pas rester muet ou muette, on va vraiment parler. Ben écoute, actuellement il y a l'actualité aux États-Unis, c'est quoi? C'est la mort de notre frère George Floyd et je pense qu'il faut en parler par rapport au fait qu'il y a eu beaucoup de meutes actuellement aux États-Unis dans cette histoire là. Et la moralité, ça nous enchaîne beaucoup de choses aussi. Ça nous enseigne combien de fois la condition des Noirs aux États-Unis est encore fragile. Et je pense que chaque Africain, parce que je vois beaucoup de personnes penser que, ou encore dire que bon, c'est un truc qui ne regarde que les Américains. Mais c'est dommage de penser cela parce que il faut bien comprendre une chose, c'est que quand tu es noir, parce qu'on est là, tous noirs. Là, c'est moi, Namboka, qui vous parle, l'enfant du pays, ok? Voilà. L'enfant d'Afrique qui vous parle en ce moment. Tout à fait, tout à fait. Warren le stratège, voilà, ok? Le guerrier mental. Donc, le truc, c'est qu'il faut bien comprendre une chose, c'est que quand un Africain tombe, quand un noir tombe, c'est toute la couleur noire qui est touchée. Et ça, peu importe nos origines. Et il faut bien comprendre une chose, c'est qu'on ne peut pas ne pas être solidaire par rapport à cela. C'est dommage de penser que cette histoire ne concerne que les Américains. Parce que vous savez une chose, c'est que nous tous, on est concernés. Est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup de frères africains qui se font, pourquoi pas, assassiner parfois aux États-Unis? Ok, les enfants du pays vous parlent sérieusement, sérieusement. Voilà quoi, donc c'est comme je disais qu'on a besoin de filmer du bien. Donc voilà, c'est ça, c'est comme je vous disais que le problème, c'est qu'actuellement, il faudrait que nous, les Africains, on apprenne à être solidaires. Quand il y a une cause noire qui est mise en avant, parce qu'il faut bien comprendre une chose, c'est que le noir américain représente l'homme noir le plus puissant de la Terre. Ce qui fait que quand un noir américain a un problème, c'est tout le monde entier qui est concerné. Mais vous vous rendez compte que c'était un Africain qui était concerné par rapport à ces problèmes. J'ai même envie de dire que ça devait juste passer de bouche à oreille dans la communauté noire. Et puis c'est tout. 10h, mais la route est déserte. Ça, la rue devient désert, le soir c'est le couvre-feu. Les gars là sont en train de dormir là. Ou bien c'est le poison. Ah, ok. Ils ont travaillé overnight. Oh. Ok, ok. C'est une stratégie. On a dit qu'ils sont partis au travail. Oh my god. N'est-ce pas? Ok, la route des États-Unis a toujours les travaux. Et le pays en construction. Sans construction, là, quand on a dit que si on a déjà, il a tout fait. Ok, on a dit qu'on slow down. Oh. Ouais, le pays est en construction, c'est en chantier là. Il faudrait que... Pip, pip, pip. Yeah, that's pip, pip, pip.
pour qu'on comprenne la nécessité pour nous aussi de construire notre Afrique. Pip, 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 pip. Yeah, pipi truck. Pipi truck. Pipi truck. Ok. Mais il fait soleil aujourd'hui. C'est mieux que le froid, quoi. Franchement. Franchement. Franchement, c'est mieux que le froid. Quand regardez dans les films quand on était en Afrique, les États-Unis ceci, les États-Unis cela, franchement, ça me dépasse. Ça me dépasse avec tous ces crimes où on dit que c'était self-défense. Self-défense de quoi? Est-ce que qui a le droit de tuer, d'ôter la vie à quelqu'un? Franchement, là, je suis pas d'accord avec. Personne n'a le droit d'ôter la vie à quelqu'un. L'enfant de 22 ans qu'on a assassiné là. Et puis le gars, on a dit que self défense. Est-ce qu'il était obligé de tuer? Non, tu as le choix de mettre ton âme par terre, je sais pas, de tirer, je sais pas où, mais pas sous le coup de quelqu'un. Pardon, ça c'est le meurtre. Ça c'est le meurtre. Franchement, that's not right. Something is wrong to people. Something is wrong. McDo. Qui mange quand même les McDo là? D'abord, moi je n'aime même pas ça. Il y a qui n'aiment pas les fidèles consommateurs. Hein. Comme toi, chérie, toi. Toi, tu es fan de McDo, non? Moi, j'aime pas le McDo. Est-ce qu'on a bien dans les suites à ce que c'est bien en consommation de la vie? Yeah, on peut aller là-bas, ceux qui habitent la maison. Ok, guys, c'est l'enjaillement de 10h du matin là. Il n'y a pas trop de voitures en route alors que c'est un mardi matin. Ok, on peut comprendre à l'heure si les gens sont au travail. Mais franchement, ça fait bizarre, ça faisait comme si c'était la fin du monde. Je sais pas, apocalypse, je sais pas moi quoi. Les autres sont en train de dormir, ils sont en train de dormir, ils sont en train de prendre les postes pour... Les protesteurs sont en train de dormir, ils ont travaillé la nuit, ils ont travaillé overnight. Donc ils sont en train de prendre l'énergie comme ça. Ils vont sortir le soir. Là, je comprends, ils ont travaillé dur. Ok, on est sur la route des États-Unis. La route, on est en train de partir. Là, on est en train de partir. Moi aussi, vraiment, depuis là, mon français, là, français, Camerounais, là, français, les Camerounais, là, ça ne passe sur ma bouche. Depuis là, j'essaie de bien parler, mais franchement, ça me suit. 6 ans aux États-Unis, parler toujours français, les Camerounais, mon frère. C'est comment? N'est-ce pas, chérie? Ok, voilà notre ville. Ouais, on a fait visiter le Nebraska. C'est le Nebraska, là où il y a le racisme. N'est-ce pas, chérie, on fait avec le racisme. Non, on doit arrêter le racisme là, non, franchement, nous les enfants d'Afrique, on doit arrêter ça, c'est too much. C'est too much, personne n'a le droit. Personne n'a le droit de tuer quelqu'un. Personne. On a le droit de faire ça. On est au feu rouge. On attend que le feu devienne vert pour passer. Chérie, tu as quelque chose à dire? Ben, ce que je peux dire, c'est que au-delà du fait qu'on est aux États-Unis, hein, on va pas se mentir, on est toujours mieux chez soi. Yep. On est mieux chez soi, hein, les gars. On est pour le moment ici, mais avec une perspective très proche de rentrer en Afrique. Yep. Donc, parce que ici on survit. Hein. Alors que j'ai en Afrique, on vit. Yep. Ici, on est un numéro de social sécurité, alors que en Afrique, on est un leader. Choisir de quel côté tu veux être. Yep. Tu veux être un numéro, oui, les États-Unis c'est bon. Si tu veux être un leader, tu veux être... Et c'est la raison pour laquelle cette chaîne existe justement. C'est pour qu'on transforme les autres. On n'est pas là ici juste simplement pour vendre le rêve des États-Unis, non. Ce qu'on fait, c'est qu'on vous partage nos expériences aux États-Unis.
en vous inspirant. Pour ceux qui veulent venir. Bon, maintenant là aussi, vous pouvez assister à des couples. Là. Voilà. Tu sais pas qui est qui en Amérique, oh. Tu sais pas qui est qui, tu passes ta route, tu vois les gens en train de se chamailler, passe ta route parce que bientôt là, une des personnes va sortir son arme dans sa poche. Yes. Hey, what do you want? What do you want? Mexicain, tu as vu leur truck? Là, c'est que l'argent qui vient de manger là. Avec un peu les Américains, c'est qu'il a des Non, franchement, bravo aux gens là, quoi. Bravo Spanish. Bravo Spanish, quoi. Spanish, bravo, bravo Spanish. Ben écoutez, là on est en train d'aller à Walmart, un magasin ici qu'on appelle Walmart. Voilà, c'est un grand magasin. Yep. Est-ce qu'on peut fumer à l'intérieur de Walmart? On peut fumer à l'intérieur de Walmart? T'es sûr, chérie? Est-ce que c'est si on accepte fumer? Bon, juste de devant. Bon, voilà sur quoi on sent Walmart ici. On est à Walmart, on va garer et puis on va aller faire les courses. Et si on revient, on revient faire le truc, le comment on fait ça, le vlog là. On vient continuer le vlog, ok? Ok, love. On se dit à tout à l'heure. Ok, tout à l'heure.